La manifestation prévue pour ce lundi par le mouvement citoyen Lucha a été étouffée à certains endroits dans la ville. Très tôt le matin, on a constaté un fort dispositif sécuritaire dans presque tous les coins chauds de la ville de Goma. Les groupuscules des manifestants calico à la main ont tout simplement été dispersés par les gaz lacrymogènes de la police congolaise qui précise que la manifestation n'a pas été autorisée par les autorités politiques. Dans les premières heures le matin, une vingtaine de jeunes ont été arrêtés dans les quartiers ouest de la ville avant qu'un autre groupe traverse les quartiers Majengo au nord de Goma pour se diriger vers les bureaux de la CENI au centre-ville. Luc Nkulula est membre de la Lucha. Ce que nous demandons à la CENI, c'est de nous faire un calendrier électoral et que nous ayons les élections en 2017. Nous sommes encore très nombreux, donc on ne va pas s'arrêter. On dit à la police qu'on ne va pas se fatiguer. La détermination, mais surtout l'espoir pour les élections cette année, ils y croient toujours. Nous y croyons, parce que ce pays appartient à nous tous. Les élections. Ce pays n'appartient pas à ces clics. Nous avons les élections. Ici, devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, ils brandissent les calicots portant les messages. Antonin Deschamps avait leur interpellation par la police qui les a conduits vers les cachots à la mairie de Goma. Le mouvement citoyen pro-démocratie Lucha, dans son communiqué ce soir, fait savoir qu'environ une cinquantaine de leurs camarades ont été interpellés ici à Goma. D'autres arrestations ont été aussi signalées dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément à Beni et à Butembo. Dans la ville de Goma, les activités commerciales sont restées paralysées presque toute la journée, mais la circulation et les transports en commun étaient normales. Nous signalons aussi que la police n'a pas encore communiqué les bilans de la manifestation de la journée de ce lundi 31 juillet à Goma. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.